Oh, dis donc, c'est joli, ça, c'est quoi? C'est du cachemire? C'est du coton. Tiffany, je vais pas te prendre la tête avec ça, mais est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Mais mon chien est mort, par contre. Alors, si je pouvais dormir chez toi, tu vois, juste pour avoir une présence, un compagnon, pour pas être seul. Ça fait 3 fois qu'il est mort, ton chien. Mais il a beaucoup souffert. Vous m'aviez dit qu'on mangerait ensemble, hein? Alors, comme c'est bientôt la fin du festival, Alors là, j'ai complètement oublié. Non, ce soir, je peux pas parce que j'avais une surpâte avec mon flirt. Vous m'en voulez pas? Oh non, Odile, c'est la 7e fois que vous oubliez. Je suis désolée, Émile. C'est ce festival, toute cette pression. C'est... Vous m'aviez promis. Je vais vous dire quelque chose, Odile. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes une fois. 1000 fois. Non. On peut tromper 1 fois 1000 personnes, Odile. Mais on ne peut pas tromper 1 fois 1000 personnes. Ok. Au revoir, Émile. 1000 personnes. Merci. Apportez-nous aussi quelques clapiotes. Pour picorer. Ce sont 2 cuisses de chevreuil. C'est pour 2. Ce sont 2 cuisses de chevreuil fermes. Et délicatement écartées. Fourrées de crème épaisse. Mouillées de vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties charnues de la bête. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Je suis désolé, comme j'arrête de fumer en ce moment, je suis un peu nerveux. Et puis restons à Cannes avec ce meurtre étrange d'un projectionniste au cinéma, le caméo. Rappelons que la victime projetait un film d'horreur. Du nouveau pour nos amis d'outre-Québec qui aiment la Batavia. Tiens, l'alarme fatale. Bonjour. D'où vous sortez-vous? Hein? Ah. C'est parce que j'étais en train de régler le... Comment j'ai pu faire confiance à un type pareil? Ça va, ça arrive à tout le monde de boire un coup. Fermez-la, Cara, vous n'êtes pas le centre du monde. Je vous parle de Patrick. J'ai remarqué quelque chose à propos des meurtres. J'ai même une théorie là-dessus. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quoi, nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Et Bialès a le profil type du serial killer, exactement comme le décrivent toutes les études du FBI. Ah, à votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Vous avez pas faim? Non. J'ai faim. J'ai faim. On peut se tutoyer? Ouais. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim. Si vous devez sortir, allez-y, si vous avez un petit besoin à faire ou quelque chose comme ça. Non, je dois pas vous lâcher des semaines. Ouais, mais là, vous êtes malade, là. Il faut vous soulager un peu. Hein? Faut vous soulager un peu. Non. Passe. C'est une infection, ici. J'y vais, là. Oui, faites-moi plaisir, oui. Allez-y, Owen. Oh, putain, j'ai pas besoin de ça. Je vais me chier dessus. Parlez-vous, cours de mime! Odile, tu connais la différence entre un pullover et une moule? Non. Un pullover, ça moule et une moule, ça pullover.
Elle est drôle, non? Ouais, un peu salée, mais... Elle est drôle, non? Odile?